Ce spectacle de cabaret, c'est l'aboutissement d'un travail exigeant pour les élèves d'une école de spectacle ajaxienne. Pour cela, il faut beaucoup travailler. Les répétitions collectives étant désormais impossibles, il a fallu s'adapter. La directrice est enseignante en chant, elle assure le coaching vocal en télétravail. Fais plus ton crescendo sur le kiss. Kiss. On s'adapte comme on peut. C'est quand même difficile parce qu'il y a on rencontre des problématiques. On n'a pas l'habitude de le gérer, les problèmes de connexion. Le son est différent. Il y a la partie, je dirais, événementielle qu'on peut toujours pas faire. Mais en tout cas, toute la partie enseignement, on essaye de garder ce lien qui est précieux. Ça permet de continuer à s'entraîner, ça permet de continuer à communiquer, de garder le lien, d'avoir ce coaching, on va dire, au moins hebdomadaire. D'autres professeurs de l'école continuent leurs cours à distance. Pour éviter la casse économique, cette école a su mettre en musique le télétravail. Autre univers, celui de Marie-Françoise, salariée au service financier de l'Office public de l'Habitat à Ajaccio. Comme la plupart de ses collègues, elle est passée en télétravail la moitié du temps. Les méthodes ont été bien rodées lors du premier confinement. La continuité service se fait extrêmement bien. Pour l'instant, au niveau des entreprises également, avec lesquelles nous travaillons, ça se passe bien aussi. On est bien équipé informatiquement, donc les choses se font bien. Et ça tient aussi quand même à un bel esprit d'équipe. Marie-Françoise peut aisément concilier vie professionnelle et vie privée. Pour elle, pas de baisse de productivité. Avec le matériel à disposition, elle travaille même davantage.